les coups de dents inimitables, les impacts précis dans le seul but de limer et scier l'arbre. L'usage qu'il en fait est admirable. Étendu au sol, transposé en herbage, cette masse de feuilles et d'écorce est maintenant à portée. Le castor n'a qu'à se baisser pour se gaver. Il peut tirer parti de cette nourriture si rêche et si acide grâce à des micro-organismes particuliers présents dans son grand intestin. Il est quasiment le seul à se régaler de toutes ces fibres, même s'il y a parfois un pic-assiette, le ragondin, toujours dans ses pattes. Après l'effort d'un seul castor, le réconfort de toute la famille. Chacun va venir profiter de l'abattage de ce gros steak végétal. Ils prennent un morceau à la manière d'un boucher qui débite son filet. Le nouveau repas se partage et s'attaque par tous les bouts. Se prépare à recevoir l'hiver. Le grand souffle du vent d'ouest annonce les mauvais jours. Fini les feuilles tendres et la verdure de la belle saison. Les squelettes d'arbres rongés marquent le début de la mauvaise saison. Avec ce froid qui arrive, la sieste en plein air promet d'être moins agréable. Tous n'ont pas la chance d'avoir un terrier douillet. Chez la famille Castor, il fait bon vivre. La température y est meilleure qu'à l'extérieur. Un confort douillet qui donne des envies de relaxation. L'hiver des climats tempérés n'a rien des hivers du Grand Nord que connaissent les cousins canadiens. Nul besoin de faire des réserves de bois à grignoter. La formation de glace est rare. La seule menace peut être la montée rapide des eaux. À cause d'une grande crue, il faudra peut-être déménager, mais un terrier refuge, ça se creuse vite. Dehors, certains quittent la Loire pour retrouver un soleil plus chaud. D'autres font le choix de rester. L'appel de l'hiver est lancé.
les feuilles passent le message et quittent le fleuve sauvage pour le plus grand regret du castor. Non, ça a commencé par le circuit électrique. Et tout le foutu bordel a sauté. Oui, ça fumait. Oui, ma chérie, j'arrive dès que possible.